Là où les pensées déferlent, là où les idées se confrontent, là où une époque révolue remonte lentement à la surface. Avant malmenés, maintenant tels des rois, nous sommes élevés. Nous tous Joudoubouka continuer penser, plein de ressources, plein de talents. Nous tous Joudoubouka continuer penser, conscients de notre vraie valeur, nous nous relevons. Nous tous Joudoubouka continuer penser. Nous rappelons les erreurs passées, nous construirons un avenir meilleur. Nous tous Joudoubout, ensemble, nous qu'à arriver. À la Martinique, au lycée Paulette Nardala Ducos, des élèves se réunissent lors d'un cours sur le Code Noir. Ces derniers prennent conscience des atrocités de l'esclavage transatlantique, même au siècle des Lumières. Entre connexion, puissance et fertilité, les découvertes sont presque magiques. Tout au long de leur aventure, mystiquement, les élèves sont protégés par une dame aux caractéristiques particulières, Maman de l'eau. Cette déesse sirène, aussi surnommée la Mère des Eaux, elle leur donne assez de force pour poursuivre avec l'aide de trois égéries inspiratrices, Paulette Nardal, Suzanne Césaire et Olympe de Gouges. Ces érudites venant d'un autre siècle feront le lien indéniable entre cette période noire et les philosophes français des Lumières. Une œuvre intrigante, touchante, et percutante.